ولا يجوز لنا أن نقسم إلا به وحده جل في علاه. ومن فضائلها أن الله تعالى أكمل لنا فيها الدين وبكمال الدين على التوحيد وارتفع شأن الإسلام وظهر الحق وانتصرت السنة وانهزمت البدعة وقد حسدنا اليهود على هذا الكمال. قال حبر من أحبارهم لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ومن فضائل هذه العشر أن من كمالها أنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، فتجتمع فيها الصلوات والصدقات والصيام والهدي والأضاحي، وفيها الحج إلى البيت الحرام، وفيها التكبير والذكر والتلبية والدعاء. ومن فضائلها أن محبة الله تعالى للعمل الصالح فيها تفوق محبته سبحانه للعمل الصالح في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام الأشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نرجع سير الله سبحانه وإنفينما nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui et que la bénédiction et la salutation soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a créé ce qu'il veut et il choisit aussi ce qu'il veut. Parmi les choses qu'il a créées dans cette vie, les périodes et le temps que nous profitons tous à vivre, à se rapprocher d'Allah étant soumis et musulman. Mais par rapport à ce temps qu'il a créé en général, lui-même subhana, il a spécifié des jours et il a privilégié certains jours, certaines périodes avec une autre bénédiction. Il a fait des distinctions en versant sur ces périodes une particularité de validation et d'acceptation par rapport aux bons œuvres, par rapport à la croyance, par rapport au renouvellement de la foi. Chers fidèles, parmi ces temps, très bientôt nous allons commencer les 10 premiers jours des Zilhijjah, les derniers mois de l'année lunaire. Ces 10 premiers jours, et c'est des jours très très particuliers dans notre année entière. Dedans, il y aura beaucoup de bénédictions, il y aura beaucoup de privilèges, il y aura beaucoup aussi de récompenses. Beaucoup gagneront le paradis en ce moment, qu'Allah nous fasse parmi ceux-là. Il y aura beaucoup de types d'adoration à exercer, à se rapprocher d'Allah à travers. Allah subhanahu, par rapport à la manière qu'il nous a enseigné, est toujours inspiré de ses paroles, le Saint-Coran. Et il nous parle dans un chapitre du Coran: et car il a juré avec ses 10 premiers jours des Zilhijjah, grâce à ce qu'il a donné à ses serviteurs, à cause de l'importance qui est réservée dedans. Et Allah ne jure pas avec quelque chose sans qu'il y ait des leçons à tirer, sans qu'il y ait des méditations à profiter. Et écoutons tous ces versets, ou bien ces chapitres que nous connaissons par cœur. Wal-Fajri, Allah subhanahu wa ta'ala, il agirait par l'aube, parce que c'est une période qu'il y a beaucoup de témoignages dedans. Si ça trouve quelqu'un qui est en train d'adorer Allah,
et exercer aussi la prière, etc. Il a dit qu'il jure par ce temps, parce que c'est une période exceptionnelle. C'est un moment où les anges de la journée et de la nuit qui vont se changer, ils vont assister, ils vont témoigner pour ceux qui sont debout et en train d'évoquer, mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il agira aussi par les 10 nuits. Ces 10 nuits-là, les intérêts nous ont dit, c'est le premier jour, les 10 premiers jours de Ashr al-Hijjah. Et pourquoi Allah il agira par ces périodes? Parce qu'il n'y a pas un 10e jour, un 10e jour dans l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des adorations, il aime des bienfaisances plus que ces 10 jours. Et à cause d'une spécificité que nous allons revenir dessus. Allah, il a géré par ces 10 jours de Zulhijjah à cause de la place qu'il a attribuée et beaucoup d'avantages qui a eu lieu par le passé dans ces 10 jours. Et Allah a le droit de jurer avec tout ce qu'il a créé, quelle qu'en soit la dimension et la quantité. Mais quant à nous, un arrêt, ne jurons jamais. Aucun être humain, aucun créature n'a le droit de jurer avec autre chose qui n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les raisons de cette importance et de ce privilège, et que c'est dans ces 10 jours-là et la religion a été au complet. C'est dans ces 10 jours-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné son serment solennel pour sa communauté de tous les temps, de tout moment. C'est dans ces 10 premiers jours et l'islam, il a connu le jour, il a connu aussi la grandeur. C'est dans ces 10 premiers jours, la vérité est apparue, la vérité est sortie, et la sunna du prophète est appris au-dessus. Et quand on dit l'innovation et des péchés et de la faiblesse, et a pris le coup de ce jour-là, à titre à raison pour laquelle les Juifs, qui ont beaucoup appris plus que notre communauté, qui ont bien aimé exister avant nous, et ils nous ont enviés, bien sûr, ces 10 premiers jours de Zulhijjah, parce que l'événement qui a eu l'événement qui était le Yom Arafat, le seul pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce jour-là, qui est inversé le Coran, que nous allons le réciter tout à l'heure, expliquer tout à l'heure, les Juifs, ils l'ont dit. L'un de leurs grands connaisseurs a dit un jour à Omar ibn al-Khattab, Ayatun fi kitabikum. Il y a un seul verset dans notre livre, qui est le Coran. Law nazalat alayna ma'ashra al-Yahoud. Si ce verset était révélé sur nous, sur notre peuple, sur notre nation, et dans ce jour que ça a été révélé, qu'il était le Yom Arafat, on allait célébrer ce jour-là durant toute notre existence. On allait prendre ce jour-là comme une fête à célébrer et jusqu'à la fin du temps. C'était là où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. En ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé cette serment devant plus de 120 000 compagnons et qui l'ont pris, qui l'ont pris, qui ont porté la religion sur leur épaule avec leur âme et leur bien. Il leur a dit, « Ayyoma akmam tu lakum dinakum. » À partir d'aujourd'hui, la religion est au complet. Rien n'est resté. Tout a été désigné, tout a été enseigné. « Watmam tu alaykum ni'mati. » Pour ceux qui sont conscients, ils doivent suivre les enseignements de la religion musulmane dans toute leur vie. Il a dit, « Watmamtu alaykum ni'mati. » Ma grâce, ma guidance, je l'ai complétée pour vous, vous les communautés musulmanes, vous les soumis. « Wa raditu lakum al-islam dinan. » Et j'ai accepté la religion musulmane pour vous comme étant la religion le plus absolue, le plus véridique, la religion de l'éternel, c'est ce que nous devons suivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous essayons de tout transformer. Cette religion qui est si belle, qui est si généreuse, qui est si grande, qui a enseigné tout
a besoin, qui a établi la relation entre l'homme et son Seigneur, entre l'homme et notre homme, entre l'homme et son entourage, entre l'homme et l'univers, entre l'homme et la vie, entre l'homme et au-delà. Il n'a rien exclu. Il a tout expliqué, il a tout étalé, mais malheureusement, par ignorance, l'homme néglige sa religion aujourd'hui. Oublions qu'il y a un sujet sans que l'islam a traité. Il a parlé, ce Coran que nous inspirons, c'est un documentaire absolu de l'existence. Il a parlé de peuples bien avant nous, il parle de chaque individu et chaque famille et chaque communauté, il parle aussi de futur et de l'éternité. Pourquoi ne pas le suivre? Lorsque Seyyidna Omar a entendu ce propos des juifs, vous rendez tout là pour l'islam à Dina, la religion musulmane, que vous trouvez tout ce que vous avez besoin dans cette vie, dans au-delà, dedans, il faut vous intéresser, ce serait bien pour la communauté. Seyyidna Omar, quand il a entendu ce propos, il ne se fait pas pitié devant les juifs. Il a montré à ces juifs que nous aussi nous les célébrons avec la soumission, avec la méditation. Omar lui a répondu, il n'y a la moumata nazarat. Je sais très bien quand est-ce que ce verset fut révélé. Je sais même là où ça a été révélé encore. Et il a précisé Nazarat fiyoumi Arafa. Ça a été révélé le jour de Arafa, le 9e jour de Asr Zulhijja. Le 9e jour de Zulhijja. Certains savants ont dit la raison par laquelle Allah agirait avec ces 10 jours, c'est à cause de ce jour particulier, le Yom Arafa. Ça, c'est, il n'y a pas une journée dans l'année, absolument, qui est mieux que le jour de Arafa. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même Yom, il n'y a pas une journée dans l'année, entièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère plus de personnes de l'enfer et plus que Yom Arafa. Et il a dit dans un autre hadith, j'espère auprès de mon Seigneur que le jeûne de Yom Arafa pour les non-pèlerins que nous sommes. Et d'avoir jeûné le Yom Arafa, j'espère auprès de mon Seigneur, ça va effacer le péché de une année précédente et une année à venir, une année prochaine. Allahu Akbar. Rappelons-nous, préparons-nous pour exercer tout type d'adoration valable dans ces 10 premiers jours de Zulhijja. C'est normal, il a dit ce verset se fut révélé Yom Arafa et un jour de vendredi. Quelle particularité! Le meilleur jour de la semaine et le meilleur jour de l'année. Et ça prouve que le professeur Salam, il nous a tracé le chemin de la vie, tout ce que nous avons besoin. L'autre jour, vendredi passé, notre imam Keita, et il a donné les mêmes enseignements sur ce serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle communément le serment d'adieu. Imaginez si quelqu'un vous est cher et il se prête à en aller. Il va vous quitter définitivement. Mais il a quelques conseils à vous donner et à vous partager. Vous serez censé et de tenir à ce propos, à tout enseignement qu'il vous donnera, parmi lesquels nous venons de dire quelques-uns ici. Donc, chers fidèles, parmi les spécificités de ces 8 premiers jours de Zulhijja, que toutes les activités, les adorations se retrouvent déjà au complet. Toute forme d'adoration. Il y a le jeûne dedans, il y a la prière dedans, il y a le sacrifice dedans, il y a le pèlerinage dedans, il y a l'aumône légale dedans. En un mot, c'est comme il y a le résumé de l'islam, de la religion musulmane, et dans ces 10 jours-là, que nous devons nous préparer à accueillir, à se réveiller, à se programmer pour profiter de tout ce qui est dedans. Il y a des glorifications et des louanges, une purification à l'endroit d'Allah. Il y a aussi la réponse pour nos frères qui ont allé effectuer le pèlerinage en prononçant tout le temps le slogan du Hajj, qui n'est autre que d'aller renouveler sa vie,
de retourner le lieu de pèlerinage comme le jour que sa maman lui est mise au monde, d'avoir un aimant le paradis, d'être comme un nouveau-né qui n'a pas de péché. Mais quant à pour ceux qui sont là, ils ne se sont pas encore inscrits pour le acte. Et eux aussi, ils auront leur part. Qui le veut, s'ils peuvent gêner les 9 jours de Zulhijja, et qu'ils le fassent, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, man ayami, il n'y a pas de 10 jours dans l'année. Al-amalu salih, le bienfaisance, la bienfaisance. Et dans ces 10 jours-là, dans tout au long de l'année, ahabu ilallahi min ashri min hadi al-ayam al-ashri, puisque c'est dit jour de Zulhijja. Chers fidèles, prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de ces avantages, ces multiples adorations que les gens doivent fournir, les gens doivent exercer tout au long de ces 10 premiers jours de Zulhijja, les Sahaba étaient étonnés. Mais comment on peut avoir toutes ces grâces? Ça veut dire que ce sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et ils ont posé la question comme c'était des personnes différentes. C'était des gens en pleine foi. Leur souci n'était pas de vivre dans ce bas monde. C'est pour cela qu'ils s'est donné à mort, rien que vis-à-vis d'Allah. Ils ont posé la question, imaginez qu'ils prononcent leur ambition le plus grand. Et fièrement, ils ont dit que même sortir et pour aller combattre les mécréants n'est pas mieux que ce jour-là. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, voilà le djihad fi sabilillah. Autrement dit, quelqu'un peut ne pas être en djihad. Il est chez lui dans ses 10 jours et il va avoir ce qui est meilleur que la récompense d'un djihad qu'Allah le facilite. Sauf qu'il a fait enfin une exception. Il a dit qu'il l'a rajouté. Sauf un homme, un musulman, un croyant, kharaja bi nafsihi. Il est sorti avec son âme, sa personne, wa malihi, avec toute sa fortune, son bien, et qu'il a pu avoir durant tout le temps. Falam yarji' min dhalika bi shay. Il ne retourne avec rien, ni de son âme et ni de sa fortune. Lui-même, il se périt dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, également aussi son argent et sa fortune. C'est celui seul qui aura plus de récompenses et des avantages, plus que ceux qui vont adorer Allah avec la glorification, avec les louanges, avec le remerciement, avec le sacrifice, avec le jeûne, avec les prières, avec tout ce qui est recommandé dans la religion musulmane. Chers fidèles, préparons-nous. Dès que nous entendons que le 10 premiers jours de Zulhijja va commencer un tel jour, si on peut jeûner, ce n'est pas obligatoire, mais très acceptable, très aimable, que nous jeûnons, qu'Allah nous facilite, et que nous lisons le Coran, que nous nous pardonnons, et nous lions aussi nos liaisons parentales, nos liaisons sanguines, que nous rendons aussi, nous restituons les bras et les uns et les autres. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Nous continuons toujours à remercier Allah de tous les temps de nous avoir facilité la soumission, de nous avoir donné le Coran, de nous avoir envoyé le messager et qui a été envoyé rien que pour nous enseigner de toute notre vie. Je profite pour cette particularité du messager qui était enseignant, soit ce que tu peux être, soit riche, soit roi, soit connaisseur,
Mais la meilleure des choses que tu ne pourras jamais avoir, autre chose meilleure que ça, c'est que tu sois un adepte, que tu sois un fidèle qui va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi les musulmans ne souhaite pas se ressusciter avec ce grand messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais la manière et la raison est simple. Il faut le suivre. Il ne faut pas suivre personne d'autre que lui. Lorsque nous parlons de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est que de le suivre. Ce n'est pas de lui adorer, car il était un être humain. Mais distingué, honoré, et il était le meilleur enseignant de tous les temps. Souvent, il arrive que les gens s'écoillent, les gens se sabotent, les gens s'intimident à cause de leur appartenance. Mais toute la fierté serait réservée à ceux qui ont accepté de devenir des élèves et des étudiants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il nous a fait de référence. Il a dit, dites si vous réellement vous aimez Allah, vous êtes des musulmans, vous êtes soumis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé de la tribu, ni de la, du rang social, du fortune, du bien. Il a dit, fattabi'uni, suivez mon chemin, ma manière d'enseigner, ma façon d'adorer, ma façon de prier, ma façon d'évoquer, ma façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Et il a même donné des cas précis, tels que la prière, sallu kama ra'aytumuni usalli, tel que le jeûne, tel que le hajj, qui est un grand slogan des musulmans. Il a dit, khudhu anni manasikakum, tout ce que nos frères pèlerins vont exercer comme adoration, ils ne font que suivre le trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, par rapport aux bonnes activités que nous devons aussi prendre en compte dans les 10 premiers jours des Zulhijja, pour ceux qui auront l'intention et les moyens de pouvoir faire l'immolation, égorger le mouton ou le beignet de la tabaski, il y a une très bonne journée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était qu'il dit, celui d'entre vous qui aura intention pour immoler pendant le 10e jour, le jour de la fête, Yom al-Hajj al-Akbar, et alors de l'entame du premier nuit de Zulhijja, et qu'il ne prend rien de son chevet et de ses ombres, etc. Et comme typiquement ce que les pèlerins ils font là-bas en étant être sacralisés. Donc ça c'est sûr dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aura l'intention des moyens pour pouvoir immoler dès le début, le premier jour de Zulhijja, et jusqu'au jour.